Alors absolument tout a changé depuis que je suis le candidat français pour l'Eurovision. Toute ma vie en fait. Bilal, c'est quelqu'un qui a morflé, comme on dit, qui a pris sur lui et qui renvoie justement ce message de tolérance. Et ce message, il faut qu'il passe. Il représente bien voilà, les hommes d'aujourd'hui ou les femmes ou peu importe. C'est quelqu'un qui s'assume complètement comme il est, qui s'en fiche du regard des autres. Yes. Moi, je pense que le fait qu'il soit atypique, ça va quand même attirer l'œil et les gens vont avoir envie d'être attentif à sa chanson, à ce qu'il raconte. Et vu que les paroles sont en français et en anglais, le message va bien passer. Et il a cette fraîcheur, et il a cette innocence aussi. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour lui personnellement. La chanson Roi, et j'aime beaucoup les paroles. Je trouve que c'est totalement... C'est ma vie également, enfin, je me vois totalement dans cette chanson. C'est une chanson qui était très très thérapeutique pour moi, que j'utilise vraiment pour me réapproprier ma force, mon estime de moi-même. Et je reçois des messages de personnes âgées, moins âgées, des mamans, leurs enfants, des ados, des seniors qui m'envoient des messages, des mails, des lettres, en me disant que le morceau... les a aidés à se sentir plus forts, et ça, c'est assez magique. Quand je rêve, je suis un...